Elisabeth Bernard, vous allez présenter Darkside dans le quintet de mardi à Deauville. La dernière fois à Marseille-Borély, comment avez-vous analysé sa prestation? Ah, écoutez, alors déjà, j'étais bien sûr terriblement déçue. Je pense que deux choses. Le cheval n'a pas aimé du tout le terrain lourd. Ça, je m'en doutais un peu avant, mais je pensais que ça serait pas si lourd que ça quand même, étant donné qu'on était au bord de la mer et qu'il y avait beaucoup de vent. Mais il était tombé beaucoup d'eau quand même. Donc, je me suis trompée sur l'état du terrain. Et la deuxième chose, c'est une région où les courses ont un rythme en partant, me semble-t-il, plus élevé que dans le sud-ouest pour les mêmes distances. Plus élevé qu'à Longchamp aussi. Donc j'ai trouvé que mon cheval, déjà qu'il n'aimait pas la surface, en plus était complètement débordé. Donc ça a été un fiasco total. Donc une course à effacer, quoi, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce sont les deux raisons et qu'il n'y avait pas autre chose. D'accord, si vous le présentez au départ de cette épreuve mardi, c'est que vous estimez que le cheval est resté en bonne forme. Bah déjà, je pense que la fibre va l'avantager. Et puis, je me dis que le cheval est resté bien malgré sa contre-perf de Marseille. Voilà, il avait montré la fois d'avant à Longchamp que bon, il avait son mot à dire dans cette catégorie. En théorie, voilà, ce jour-là, il était parfait, très bien monté, un petit peu tout, un petit peu malchanceux à mes lignes droites. Avec le numéro à la corde, ce n'était pas un avantage non plus. On avait donc été obligé d'attendre assez loin. Et il avait fait jolie ligne droite en venant prendre une cinquième place qui pouvait laisser augurer qu'il, avec un meilleur numéro, on aurait pu être un petit peu plus près peut-être.